Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici un petit problème sur Toyota Yaris, ce qui concerne votre vitesse. En fait, j'ai un petit problème au niveau de passage de vitesse, ce qu'il se met directement sur le neutre. L'embrayage a été remplacé et à un moment donné, j'ai des vitesses qui passent à froid et à chaud et se mettent en défaut. C'est-à-dire qu'il passe directement sur le neutre. Après avoir cherché plus loin avec le lecteur en défaut, je découvre que le moteur principal de l'actionneur de droite, c'est ça l'actionneur de droite, mais juste le moteur, pas l'ensemble. Vous savez, sur ce modèle-là, c'est un moteur complet. Avec un réservoir de liquide, de purge de moteur hydraulique et bien sûr le récepteur. Mais moi je suis plutôt concentré sur cette pièce-là. Pourquoi? Parce que je l'avais demandé la première fois, elle était un petit peu endommagée, j'ai essayé de la rectifier. La voiture est partie pour quelques jours et à un moment donné, il a tout lâché. Donc, comme vous voyez déjà là, au niveau moteur est débloqué. Je ne sais pas comment on peut appeler cette pièce-là. Hein, ça ressemble un petit peu à l'alternateur à l'intérieur. Ça ressemble un peu à ça. Je pense que les charbons, bien sûr, c'est des charbons. Je pense que les charbons ils sont cramés ou genre comme ça, je ne sais pas précisément. Qu'est-ce qu'il a? Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que il est bloqué. Hein? Et là, il est vraiment bloqué. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté cette partie-là. La première fois, je l'ai nettoyé. C'était un petit peu encrassé. La voiture a pu repartir quelques jours. Et maintenant, plus rien. Il n'y a aucune vitesse qui passe. Je disais en demandant ça, je trouve que il est hors service, rien qui va. Hein, parce que ici c'est une fiche électronique. Du coup, j'ai commandé la même chose. J'ai commandé la même chose sur Internet. Comme vous voyez, c'est exactement la même. Faites attention parce que les Toyota Yaris avec le réservoir hydraulique séparé, il a quatre ressorts au niveau cette position. Il a quatre. Les CA ou 107 ou d'autres, Aygo, il a que deux ressorts. Vous voyez? Donc il faut pas se tromper votre commande. C'est vrai qu'en France, on ne trouve pas. Hein, en France, on ne trouve pas ces pièces-là. Comme moi, je l'ai commandé à l'étranger. Et ça met un petit peu de temps, mais ça va le coup. C'est beaucoup mieux de commander cette pièce, de la remplacer, que de changer l'actionneur complet. L'actionneur, ça vous fasse dans les 1000-2003 chez Toyota. Voilà. L'info du jour, c'est ça. Et qu'on va le remettre en place. Vous voyez, comme celui-là, comment il tourne facilement par rapport. Celui-là, il est bloqué. Complètement bloqué. Je pense que c'est réparable. C'est réparable à l'intérieur. Mais je ne veux pas vous mentir. Il faut une arrache ici. Je n'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Mais je sais que c'est réparable. Même ça, c'est réparable. Tant que les charbons sont bons, il doit y avoir quelques problèmes internes. Voilà, et j'ai reçu ça aujourd'hui, donc on va remonter, on va tester ça ensemble et je vous montre le résultat. C'est juste, ne vous précipitez pas à remplacer les actionneurs complets. Des fois, c'est juste des composants qui sont autour de l'actionneur qui lâchent. Voilà, ça vaut pas, franchement, je crois que ça vaut dans les 120 euros, je crois, 120, 130 euros TTC, si je me rappelle bien. Et si ça marche, c'est très 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 bien. En tout cas, le diagnostic il me donne bien
le moteur, pardon, l'actionneur en défaut. Là, je vais remonter. Ce n'est pas assez difficile. Je vais vous montrer la position. Il n'y a pas besoin de monter ni la boîte, ni l'actionneur, ni rien du tout. En tout cas, sur ce modèle. C'est assez facile à mettre en place. Ce n'est pas dramatique. Il faut un peu de patience, du matériel, et puis l'affaire est acquise. Allez, c'est parti. On va remonter ça. Et puis, je vous montre la suite.